écoutez AMG chaîne 3, le journal. Bonjour à tous, à la une de ce vendredi 27 septembre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Haut Conseil de sécurité restreint. Les autorités algériennes décident de rétablir avec effet immédiat l'obligation de visa pour les ressortissants étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Une décision prise pour mettre fin à diverses actions qui portent atteinte à la stabilité et la sécurité du pays. Profitant du régime d'exemption, des visas éclairage dans ce 12-13. La situation au Proche-Orient évoquée à New York par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, il réaffirme l'engagement fort de l'Algérie à soutenir l'UNRWA, soulignant que l'existence de l'agence est indispensable tant que des réfugiés sont privés de leurs droits inaliénables. Ahmed Attaf qui annonce que l'Algérie décide d'octroyer 100 000 dollars au fonds de consolidation de la paix au profit du Soudan du Sud. Et les exactions sionistes se poursuivent au Proche-Orient de Gaza au Liban. L'entité sioniste teste les lignes rouges du droit de la guerre. Des dizaines de morts et de blessés dans de nouveaux raids ce matin. Et nous sommes le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Quand le tourisme rime avec la promotion de la paix, au moment où le monde est marqué par une multitude de conflits. Au chapitre éducation, les inscriptions en classe préscolaire pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 seront lancées dimanche prochain. Vous suivrez le reportage de Smaïl Mimouni. Et en sport, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis débute ce vendredi avec 5 matchs au programme. Dans le derby de la Kabylie, la JSK face à Arbou, une rencontre prévue au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier la réunion du Haut Conseil de sécurité restreint. C'est ce qu'a rapporté un communiqué de la présidence de la République hier jeudi. Et le gouvernement algérien a décidé de rétablir avec effet immédiat l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers détenteurs de passeports marocains. Le Royaume du Maroc y s'est livré à diverses actions attentatoire à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale. Profitant du régime d'exemption des visas, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. On fait le point avec Karima Hasnaoui. L'Algérie, toujours mue par des valeurs de solidarité tissées par les liens humains et familiaux qui unissent les deux peuples frères, algériens et marocains, avait évité lors de la décision de rupture des relations diplomatiques avec ce pays en août 2021 de remettre en question la liberté et la fluidité de la circulation des personnes, note le communiqué des affaires étrangères, profitant du régime d'exemption des visas. Malheureusement, le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale, souligne le communiqué, avec l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebande, d'immigration clandestine et d'actes d'espionnage, ainsi que le déploiement d'agents de renseignement sionistes détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Ces actes constituent une menace directe sur la sûreté nationale de notre pays et imposent un contrôle ferme et strict de tous les points d'accès et de séjour en territoire national, souligne le département de Ahmed Attaf. Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie. Et cette décision prise par les autorités algériennes intervient pour mettre fin à diverses actions qui portent atteinte à la stabilité et la sécurité du pays. Le Maroc qui profitait du régime d'exemption des visas et qui affichait une hostilité implacable envers l'Algérie. Éclairage avec l'expert sécuritaire Hassan Qassimi qui répondait aux questions de Smaïl Mimouni. Nous assistons depuis quelques années à une succession d'actes hostiles de la monarchie alaouite à l'égard de l'Algérie. Cela a pris de l'ampleur et s'est accentué depuis la normalisation des relations entre l'entité sioniste et la monarchie alaouite qui a fait de son territoire une véritable base arrière du Mossad. Logistique de déstabilisation à l'égard non seulement de l'Algérie mais l'Afrique de l'Ouest, les pays du Sahel. La monarchie alaouite est allée très loin en essayant de faire avec la collusion
Mossad de constituer des cellules d'espionnage sur les territoires nationaux. Vous avez vu le 1er septembre les déclarations du procureur de la République près du tribunal de Tlemcen annonçant le démantèlement d'une cellule du Mossad. La monarchie alaouite est une économie qui est fondée sur des pratiques illicites. Il y a tous les réseaux de trafic de drogue gravitent autour de la famille royale. Ce sont des organisations criminelles organisées par la monarchie alaouite pour essayer d'inonder le marché algérien de drogue. Il y a d'autres activités illicites, des psychotropes, celui de la contrebande, du trafic de migrants, de la traite des personnes. Toutes ces activités criminelles qui sont bien planifiées par la monarchie alaouite pour tenter de déstabiliser l'Algérie. Il doit savoir que l'Algérie est un pays fort, qui a des institutions résilientes. Nous sommes dans la stabilité et ce n'est pas le cas pour le Maroc. Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères a pris part à la réunion ministérielle du Comité de consolidation de la paix des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères qui a réitéré l'importance stratégique de renforcer le partenariat entre le Comité de consolidation de la paix et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ahmed Attaf a annoncé à l'occasion que l'Algérie a décidé d'octroyer 100 000 dollars au profit de la consolidation, au fonds de consolidation de la paix au profit du Soudan du Sud. En l'écoute. En tant que membre de la commission de consolidation de la paix et du conseil de sécurité, l'Algérie réaffirme qu'elle est prête à contribuer à l'examen à venir du dispositif de consolidation de la paix pour développer les succès et pour pallier les lacunes et les carences s'agissant de satisfaire les besoins, les aspirations des pays et régions touchés par des conflits. Nous sommes fermement convaincus que la Commission a le potentiel voulu pour être un instrument puissant afin de fournir des services efficaces et efficients en matière de prévention de conflits et de reconstruction après un conflit. Ce rôle doit être axé sur les stratégies à long terme plutôt que sur la gestion des crises à court terme. Mentionner l'importance stratégique d'un renforcement supplémentaire du partenariat entre la Commission de consolidation de la paix et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Pour conclure, je me félicite d'annoncer que l'Algérie va verser une contribution volontaire de 100 000 dollars au fonds pour la consolidation de la paix et cela sera consacré à la formation Soudan du Sud de la commission de consolidation de la paix. Je vous remercie. Et la situation au Proche-Orient également évoquée à New York par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, il réaffirme l'engagement fort et sincère de l'Algérie à soutenir l'UNRWA, soulignant que l'existence de l'agence est indispensable tant que des réfugiés palestiniens sont privés de leurs droits inaliénables au retour. Il a également insisté sur la nécessité pour l'UNRWA de bénéficier d'un soutien politique plus conséquent et de ressources financières accrues de la part de la communauté internationale. On écoute à ce propos Ahmed Attaf. Premièrement, le rôle existentiel et salvateur de l'UNRWA reste fondamentalement lié à la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pourquoi elle devrait continuer à exister tant que les réfugiés palestiniens se verront refuser leur droit au retour dans leur pays, et ce, malgré toutes les conditions défavorables auxquelles elle est confrontée et en dépit de toutes les attaques dont elle fait l'objet. Deuxièmement, les tentatives répétées de discréditer l'UNRWA et de mettre fin à son mandat sont déplorables, condamnables et inacceptables, car leur objectif n'est rien d'autre que de liquider l'un des éléments clés de la question palestinienne, à savoir la question des réfugiés. Troisièmement, l'UNRWA mérite un soutien politique plus fort et une assistance financière plus importante de la part de la communauté internationale. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à l'UNRWA et rappelle les contributions financières de 15 millions de dollars qu'elle a allouées au budget de cette agence onusienne en avril dernier. Et puis cette annonce, celle de la création de l'Alliance internationale pour établir l'État palestinien indépendant et la mise en œuvre de la solution à deux États, une alliance qui regroupe les membres de la Ligue arabe, de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union européenne. Une annonce faite hier soir lors de la réunion ministérielle sur la question palestinienne et les efforts de paix tenus en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa 79e session. Et à l'occasion et dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie était en faveur de l'intensification du dialogue et du renforcement de la coopération entre le Conseil de sécurité et la Ligue arabe en vue d'appuyer les efforts collectifs au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Ahmed Attaf.
L'Algérie s'inscrit pleinement dans la nécessité urgente d'instaurer un dialogue entre nos deux organisations et de renforcer leur coopération pour nos propres efforts, individuels ou collectifs, afin de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région arabe. Le cessez-le-feu à Gaza et l'amélioration de la situation humanitaire dans ce territoire sont étroitement liés, visant à sauver des vies. Nous n'allons pas pouvoir apporter seule une paix durable aux Palestiniens et à la région. Et le chef de la diplomatie qui a souligné que l'Algérie, de par ses positions de principe, a de tout temps affirmé son engagement à défendre les causes arabes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'armée sioniste poursuit ses bombardements contre plusieurs localités du Liban, faisant une dizaine de morts et plusieurs autres blessés en 24 heures. La résistance libanaise riposte. Le Hezbollah a bombardé des positions militaires de l'occupant avec des missiles Fadi 1 et plus de 25 martyrs et des dizaines d'autres blessés suite à des raids israéliens dans plusieurs régions du Liban seulement aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué il y a quelques minutes le ministère libanais de la Santé. Et au 357e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, l'armée d'occupation a bombardé ce matin un camp de déplacés à l'intérieur de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, faisant au moins 3 martyrs et d'autres blessés. Hier soir, les avions sionistes ont torpillé une maison à Jabalia, tuant des civils, dont des femmes et des enfants. Et puis le chef de l'unité de drones du Hezbollah, Mohamed Srour, a été tué dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est ce qu'a affirmé le mouvement libanais dans un communiqué. Avec beaucoup de fierté et d'honneur, la résistance islamique annonce le martyr du commandant Mujahid Mohamed Hossein Srour, né en 1973 dans la ville d'Aïta Shab, dans le sud du Liban. C'est ce qu'a affirmé donc le Hezbollah. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une session officielle sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Les dirigeants du monde sont actuellement à New York pour participer aux délibérations de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale. Et en marge de cette session, ils discutent de sujets urgents tels que la situation en Palestine et au Liban. Et le président sahraoui Ibrahim Ghali a condamné les positions honteuses adoptées par certaines parties, dont la France, pour soutenir la thèse colonialiste marocaine dans le dossier du Sahara occidental, s'exprimant au cours des travaux de la 5e session ordinaire du secrétariat général du Front Polisario. Le président de la RAST a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités pour parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Et au Maroc, report au 17 octobre prochain du procès des 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour cause d'absence de certains militants. Le Maroc, face à la grogne sociale, procède à des arrestations arbitraires et applique des lois injustes pour faire condamner des détracteurs de lourdes peines. Une atteinte aux droits fondamentaux du citoyen marocain, nous dit Lahsen Boulsen. Il est journaliste, analyste politique. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Le régime marocain utilise une répression systématique pour étouffer les voix dissidentes à travers des arrestations arbitraires et des procès sans fondement. En utilisant la justice comme outil politique, le Mahzen cherche toujours à intimider l'opposition et à maintenir son contrôle sur la société et le peuple marocain. Plutôt que de répondre aux revendications légitimes du peuple, je crois que le régime marocain et le Mahzen optent pour la répression, une stratégie à court terme qui ne fera que renforcer la détermination populaire à se libérer d'un système et d'un régime oppressif. Et dans l'actualité nationale, retour sur ce drame survenu hier à Bouira, qui a coûté la vie à un jeune homme percuté par un train au niveau de la gare ferroviaire de la Wilaya. Ce n'est pas le premier accident qui a été enregistré au niveau de cette voie ferrée, nous dit depuis Bouira notre correspondant Aris Chachoua. Un jeune homme de 24 ans percuté par un train tout près de la gare ferroviaire de la ville de Bouira, malheureusement, il succomba à ses blessures. Il faut rappeler que la voie ferrée qui traverse la ville de Bouira dépasse les 80 km et plusieurs accidents ont été enregistrés selon les services de la protection civile depuis le début de l'année à ce jour. 7 interventions pour des accidents sur la voie ferrée ont été effectuées. Bilan, 6 décès et 3 blessés. Selon les mêmes services, le nombre d'interventions et de victimes a malheureusement augmenté par rapport à l'année passée. C'était 3 interventions. Bilan, 1 décès et 1 blessé.
constater aussi qu'il y a toujours des passages à niveau non gardés et qui sont très fréquentés par les citoyens matin et soir, soit pour se rendre dans leur champ ou rejoindre leur lieu de travail. La voie ferrée à Bouira est située tout au long de plaines agricoles, avec plusieurs villages de part et d'autre. Bouira, Aris Chachois, Algérien 3. Et au chapitre éducation, après une rentrée scolaire qualifiée de réussie, on va parler du préscolaire avec les inscriptions aux classes pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 qui seront lancées dimanche prochain. C'est un reportage signé Smaïd Mimouni. Qui sont les enfants concernés par le préscolaire? Nadir Khansous, directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef. C'est des enfants nés à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à 31-12 2019. Le parent peut, à travers cette plateforme, choisir 5 écoles parmi les écoles proches de leur domicile. La classe préscolaire ne doit pas dépasser les 25. Le résultat sera à partir du 13 octobre et les élèves peuvent rejoindre leur classe. L'enseignement préscolaire sert à initier les premiers gestes éducatifs à l'enfant. Mziane Mriane, pédagogue en retraite. L'enseignement préscolaire est vraiment nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. La décision prise d'assurer une place pédagogique à tout enfant qui a 5 ans répond aux attentes pédagogiques qui attendent l'enfant. L'enseignement préscolaire aidera à préparer l'enfant à une transition vers l'école. Camélia Boulesnam, psychologue. Pour préparer l'enfant et motiver son envie d'aller à l'école, essayer de créer des routines autour de l'école, lire des histoires sur l'école, aussi de mettre l'accent sur les aspects positifs comme se faire des amis. Nous nous sommes rapprochés de quelques parents. Ils nous en parlent de la manière suivie pour accompagner leurs enfants. Je lui ai parlé, il voit sa sœur pour aller avec elle pour étudier. Là, il est très content. On a fait ce qu'on appelle des préparations psychologiques. Ils étaient vraiment assoiffés d'avoir leur nouvelle école, de nouveaux amis. Les inscriptions des enfants commencent ce dimanche 29 septembre et s'achèveront le 9 octobre prochain. Les inscriptions se feront en ligne à travers la plateforme numérique aulia.education.dz. Et toujours au chapitre éducation, le mouvement associatif actif depuis le mois d'août en faveur des familles nécessiteuses poursuit sa campagne de dons d'articles scolaires, à l'instar de l'association caritative Sanabel El Khair qui a distribué à ce jour plus de 700 cartables. Chibir Rachid, président de l'association Sanabel El Khair, en parle à Maïssa Smaril. Cette année, on a commencé la collecte au début du mois d'août et l'opération est toujours en cours jusqu'à maintenant. Grâce aux bienfaiteurs, on est arrivé à ramasser et distribuer 760 cartables remplis des affaires scolaires, variés entre les paliers primaires, moyens et secondaires. On a distribué ces cartables aux 610 orphelins. On remercie les bienfaiteurs qui sont toujours à nos côtés. Et nous sommes le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Pour cette année, l'instance onusienne a choisi comme thème la promotion de la paix, une manière de sensibiliser les États sur l'importance de ce secteur. Aujourd'hui, le tourisme conscient est celui qui s'inscrit dans une culture de paix et de cohésion, nous dit Abdou Belghed, président de l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique. Il répond aux questions de Soraya Roselen. Le rôle du tourisme se pose plus que jamais comme étant l'arme qu'il faut utiliser. Une arme de la connaissance, pas une arme guerrière, pas une arme dévastatrice qui tire le profit le plus important parce que, comme disait Oscar Wilde, la guerre est source de progrès. Qui profite des guerres? Qui? Il faut faire des avions, il faut faire des armes. Alors que le tourisme, d'une manière précise, c'est des écoles, veiller sur la santé. Et aujourd'hui, on est obligé de se révolter par rapport à ces tensions géopolitiques. On ne peut pas rester silencieux parce que le tourisme va être fracassé. Et à propos de tourisme, direction Ghardaya pour parler des zones d'extension touristique, des espaces qui sont dédiés à l'investissement dans le secteur du tourisme. La correspondance de Mahfoud Karkar. Ghardaya a bénéficié de ses aides. Les zones d'extension touristique, Saad Mriah, directeur du tourisme et artisanat. C'est les espaces qui sont dédiés par l'État pour recevoir les équipements ou bien les investissements touristiques dans le cadre de l'investissement hôtelier touristique et paratouristique. Sur le plan offre foncière, la wilaya de Ghardaya est pour le moment dotée de 4 zones d'expansion touristique avec une superficie qui avoisine les 276 hectares. Sur les 4 Z, on a 2 Z qui se trouvent dans le PAT, le plan d'aménagement touristique, de 6 Z qui sont en l'occurrence
France. La ZFNA 1, il grara en cours de finalisation au niveau du ministère pour passer à l'approbation finale au niveau du SJJ. Des efforts pour lever le gel sur la ZFNA 2. On note sous l'égide de M. Loueli la levée du gel qui concerne la ZFNA 2 pour entamer les travaux de viabilisation qui sont la première démarche à faire assainir sur le plan de viabilisation tels que les ouvertures des accès, l'amener d'eau, le réseau d'assainissement, l'électrification. C'est des atouts pour prolonger et pour démarrer les projets touristiques ou bien les concessions qui sont accordées au niveau de la ZFNA 2. Et en prévision de la saison touristique hivernale à partir du 1er octobre, les infrastructures hôtelières et agences touristiques se déclarent prêtes pour accueillir les touristes nationaux et internationaux. Tourdé Mahfoud Karkar pour Algérie 3. Et sans transition, on passe au sport avec la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 avec 5 rencontres au programme. Ça commence à 16h. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, tout à fait. Ça commence à 16h. 3 matchs au programme. Mouloudia d'Alger, paradoisé au stade Lila Pointe à Douira. Une rencontre qui se jouera à huis clos. Stade du 20 août 55. Le CRB Louisdad accueillera l'entente de Sétif. Et Al-Bayed, le Mouloudia d'Al-Bayed accueillera l'US Biskra également à 16h. À 17h45, pour une première dans l'histoire de la JS Kabylie dans son nouveau stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou en accueillant l'Olympique d'Arbo. Enfin, à 18h au stade Boumzarank de Chlef, l'ASO Chlef accueillera le CS Constantine. Demain, 3 rencontres au programme, SM Agra USM Alger à huis clos, JS Aoura USM Khanchla et ES Mostagane Mouloudia d'Oran également à huis clos. Merci beaucoup Hamza Rahmouni. Il est 12h51 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. 12-13, c'est terminé. On remercie à la réalisation Amine Segni et Ahmed Dadou. Retrouvez tout de suite le point météo complet avec Amine Mounir. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.